Alors. Il n'y a aucune raison pour moi d'y aller à la fontaine. D'y aller, la fontaine est juste devant moi. J'avoue. Je trouve un moyen d'entrer là-dedans. C'est là que la fontaine qui active cette... Ok. Voilà! Oh non! C'est bon. Oh non! Ah. Il me faudrait une échelle. Une chaise. Ah ouais, parfait. Chaise en plastoc. Allez, go. Oh, c'est beau! Waouh, le clair de lune se reflète dans l'eau claire. Tout. Quel genre de lieu? Bon, oh, ok. Okay. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Ça va couper de la plante, hein. Ah, il y a toujours la plante perso. What? Je comprends pas. Je comprends rien.
Oh la difficulté, mais j'ai pas compris. J'ai pas capté là. Là donc ça ici on s'en fout, donc à mon avis c'est ici que tout se passe. Mettre le crabe où il y a le crabe, ça me paraît logique. Ensuite là il y a rien. Est-ce que ça aurait pas enlevé l'eau de là? Je crois pas. Là, je ne comprends pas. C'est dehors là. Oui. Et l'eau elle bouge pas. Hein. Oh putain, ok, je l'ai pas vu. Voilà. Putain, c'est dur, hein. Là, les énigmes commencent à être cool. Moi, j'aime bien, là, tu vois. Ça fait très mystère, en réalité. Ok. Le bruit de l'eau a changé, donc ça doit être la dernière énigme. Celle-là. Ah non. C'est là qu'on va? Je dois remettre les trucs ici. C'est bon, j'ai déverrouillé la porte. Ma pote?
Il faut que je clique sur les doubles. Ok. Bah écoutez, j'espère que c'est le dernier bout de hache. Hein. Et je peux plus aller nulle part, donc c'est au bout. Ok. Je suis passé. Ok, on est à la fin. Dans le ventre du serpent. Ok. Quel symbole bizarre. Un registre d'achat. Ah, samedi 3 septembre 61. Je suis en train de d'être expulsé de Marano. Marano, pardon. Je dois partir immédiatement. Je retournerai à Lisbonne avec la mission de défendre aux côtés du monarque les droits des indigènes réduits en esclavage. Nous devons lutter contre la cupidité des colons portugais afin de pouvoir enfin convertir ces âmes torturées au catholicisme. Cependant, je suis assuré que la hache sera en sécurité sous la tutelle de mon ami Ribamar, j'arrive pas à parler. Il portera l'héritage de nos missions sur ces terres. La vue de cette créature ne s'effacera jamais de mes souvenirs, et je serai toujours affligé par le mystère de sa nature. Si un tel serpent grotesque est une manifestation du prince inferno qui tente de détruire la création divine de Dieu, que Dieu nous protège. Si un tel animal fait partie de l'œuvre divine, envoyé pour nous punir comme à l'époque de Moïse, que Dieu nous pardonne. Antonio Vieira. 14 juin 70. Cela fait 10 ans que j'ai eu mon premier contact avec le serpent colossal qui habite les profondeurs de cette île. Chaque jour, je surveillais son sommeil et dans les galeries souterraines. Les gens de Jalsaïda m'ont appris davantage sur l'histoire et j'ai commencé à respecter davantage de jour en jour. Je vois maintenant que, contrairement à ce que pensent les jésuites, le serpent est une force de la nature qui existe depuis la nuit des temps. Nous venons de pénétrer inconsciemment dans son territoire. De plus, cette hache n'est pas un artefact ordinaire, mais plutôt une création divine d'un autre dieu. L'idée d'autre dieu que nous ne connaissons pas encore m'empêche de dormir toutes les nuits. Je ne retournerai pas dans ces tunnels. Ma venue ici pourrait attirer une attention non désirée. Je dois m'assurer que la hache lunaire ne tombe pas entre de mauvaises mains, afin que le moment venu, nous puissions sauver cette ville une fois de plus. Ok, ok, ok. Avançons. Je peux pas prendre le briquet. Ah, si. Merci. Ah. Ok, go fabriquer un pied de biche. Il doit bien y avoir un truc ici. Non. Non plus. Purée, mais... Attends, il y avait un bout de pioche. Suis-je con ?
Voilà une pioche. Défonce tout à la pioche. Je pète tout. Je pète tout. Voici l'âche. Oh, c'est parti en live. Oh putain. Chargement. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, j'ai une hache. Tu vas mourir. Inscription E. What? D'accord. Bats-toi. Tu peux avancer? Ok, c'est un QTE, what the fuck. Mais putain, je ne comprends pas comment le tuer. Ah, arrêtez. Bam. Il est mort. Bam. Meurs, meurs, décède. Décède. Oh, putain, ça brille en jaune. Hein. Bam. J'en baille. Hein. Bam. Meurs. Oh non. C'est la bait. Bam. Bam. Allez, meurs, décide. Je t'ai dit que je voulais que tu meurs. Boum. Boum. Il meurt le truc ou quoi? Il m'a fait... Oh, 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 meurs. Decide, je t'ai dit. Mais on... Tu meurs jamais, hein. Tu meurs jamais. Ah, il est... je l'ai pas eu. Putain, par contre, le délire d'aller avoir une hache à la fin, là, tu le mob, ça me tue de rire. Je l'ai eu, je l'ai tué. J'ai gagné, j'ai fini le jeu. Ça y est, c'est fini. La ville a été sauvée à la dernière minute grâce à la hache lunaire. Le grand serpent est retourné dans les souterrains et s'est replongé dans son sommeil séculaire. Alors que Ribamar transmettait sa mission aux nouvelles générations, son esprit était enfin libre de quitter ce monde. La mission de protéger le secret de la hache jusqu'à ce que le serpent se relève. Lunar Axe. Bon bah voilà, c'était sympa hein. Il y avait les petits... Bon, je suis abruti, ça c'est un autre détail. Mais très sympa. Alors écoutez, on va aller se faire ça. On va aller se faire une petite dotation. Hop.
Merci alors, je vais avec plaisir hein, en tout cas. C'était cool. Bah Lunar Axe. Si je fais continuer, c'est parce quoi? On me remet juste avant la fin du jeu. Ah, attendez, on va essayer quand même de faire un 100%. Comment on fait ça? Donc, où est-ce qu'il est le dernier bout? Je comprends pas en fait. Je comprends pas ce que le jeu attend de moi. C'est une ref. C'est une ref ça. C'est une ref ça. Il faut comprendre quoi. Je comprends pas. Ah putain, bah c'est là. J'ai rien dit. Et elle est rien. Et voilà! J'ai 100% le jeu! Et voilà! 100% le jeu! Alors! Donc référence! Ouais, c'est, bah, ça a l'air d'être leur ref! Hein. Sao Luis, Père Antonio Vieira, la légende du serpent enchanté. La légende dit qu'un serpent enchanté qui ne cesse de grandir vit dans les galeries souterraines que l'on trouve au centre historique de Sao Luis. La tête du serpent se trouvait dans la fontaine de Ribarreo, le centre, le ventre se trouve dans l'église Nossa Sana de Carmo et le bout de sa queue dans l'église Sao Pantaelo. Selon la légende, un jour le serpent deviendra si grand que sa tête et sa queue se rencontreront. Lorsque ça se produira, il y aura des tremblements de terre et des tsunamis qui iront par faire disparaître l'île sous l'océan. Haches semi-lunaires. Les haches semi-lunaires étaient uniquement destinées à des fins cérémoniales. Elles étaient utilisées dans des rituels de guerre et d'agriculture. Ces haches sont souvent associées au peuple indigène parlant le Jé. Elles étaient également largement utilisées par d'autres groupes ethniques qui les obtenaient probablement grâce au troc. Putain, stylé. Père Antonio Vieira. Le père Antonio Vieira était un écrivain, orateur et philosophe portugais de la Compagnie de Jésus. Il fut un des orateurs les plus influents du 17e siècle pardon, sur la scène politique et fut un célèbre missionnaire au Brésil. Il est arrivé à Sao Luis en 1753 et a défendu l'idée que les indigènes devaient être autorisés à vivre librement. En 1661, Vieira et ses compagnons jésuites sont expulsés du Marao pour s'être opposés à l'esclavage. Sao Luis est la capitale du Marao au Brésil. La ville est située sur l'île de Upawan-Assu, grande île en langue tupi, dans l'Atlantique Sud, entre Bahia et San Marco, baie de São Marco, et la Bahia de São José de Ribamar, baie de São José. L'île était initialement habitée par le peuple Tupinamba, qui a tenté de résister aux invasions portugaises le 8 septembre 1612. Les Français sont arrivés sur l'île et ont fondé la ville, la nommant d'après le roi français Louis XIII. Cependant, les Portugais ont expulsé les Français et colonisé la ville. Ils ont également affronté et vécu l'invasion hollandaise plus tard. En 97, l'UNESCO a déclaré le centre historique de la ville, un ensemble de plus de 400 propriétés, site du patrimoine mondial. Sao Luis est connue comme la capitale brésilienne du reggae, mais elle est également célèbre pour ses nombreuses expressions culturelles, telles que Boombam Boy ou Tambor de Crioula. Donc voilà, c'était Lunar Axe. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine.